بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكنا عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، إذا لم تفعلوا الجرس فسوف لن تتوصلوا بأي درس جديد، لهذا أطلب منكم تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. وكما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très 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 bien. Vous connaissez vous-même que ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon de grammaire, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire, 6e année enseignement primaire. La leçon de grammaire. La leçon de grammaire, le titre, l'expansion et la réduction d'une phrase. L'expansion, ça veut dire rendre une phrase expansive, plus riche d'informations. Ou bien une phrase réduite, ça veut dire qu'il contient que les mots essentiels qu'on ne peut pas supprimer. Sujet, verbe et complément. Grand R, j'observe et je découvre. Ulahi wa akteshif. Chaque jour, matin, chaque jour, matin et soir. Chaque jour. Chaque jour. Matin et soir. Matin et soir. Mon père ne demande avec une grande insistance. Il ne demande. Ça veut dire que mon père demande à qui? À nous. Qu'est-ce qu'il nous demande avec insistance? Ça veut dire qu'il a insisté. Il a qu'oui. D'économiser l'eau et l'électricité. الأب ديالنا سيطلب منا بإلحاح نقصدو على الماء ونقصدو على الكهرباء لكي لا تكون الفاتورة غالية. Deuxièmement, mon père me demande d'économiser l'eau et l'électricité. Donc voilà les deux phrases. C'est ce qu'on appelle le support. On va essayer de faire la différence entre la phrase 1 et la phrase 2. Alors, question. Quelle est la phrase qui contient plus d'informations? Quelle est la phrase, parmi ces deux phrases, quelle est la phrase qui contient plus d'informations? Ça veut dire, ouais, je me quelle est la phrase qui contient plus d'informations? Ça veut dire, quelle est la phrase qui est plus enrichi avec des compléments facultatifs pour donner plus de précision sur la phrase. Deuxièmement, alors la question, la réponse c'est la phrase 1. La phrase 1, c'est une phrase qui donne plus d'informations. C'est une phrase plus enrichie. Il contient des compléments facultatifs pour donner des précisions sur le temps, sur la manière, sur le lieu, etc. Donc il est riche. Jumla ghani. Quelle est la phrase qui contient moins d'informations? Moins d'informations. Des informations. Pardon? Oui? Quelle est la phrase qui contient moins d'informations? Je connais le jumla, mais le bin est le jumla du juge. Il y a un da. Laissez-le dire, il y a un jumla, mais l'akhbar, il y a un kalila, moins. A kalmin le jumla du jumla. C'est la phrase 2. Donc, nous avons deux phrases. Une phrase plus enrichie, il donne plus d'informations, il est bien éclairci, si vous voulez,
Et nous avons une phrase 2 qui est réduite, qui donne moins d'informations, mais il a un sens. Il a un sens. Donc, les deux phrases ont le même sens. La différence, c'est que la première, elle est riche d'informations, et la deuxième, elle est réduite. Voilà. La phrase 1 et la phrase 2. Quels sont les mots supprimés dans la deuxième phrase? Alors, maintenant, on va essayer de voir quels sont les mots qu'on a supprimés dans la deuxième phrase. Nous avons « Mon père nous demande d'économiser l'eau et l'électricité ». Dans cette phrase-là, on a laissé les mots essentiels qu'on ne peut pas supprimer pour donner un sens à la phrase. باش نعطي لهذه الجملة واحد المعنى خصني نعطي نخلي فيها الكلمات اللي هي مهمة. Alors par contre dans la phrase 2 il y a des mots qu'on a ajoutés pour donner plus d'informations. Donc je vais souligner ces mots-là. Chaque jour, c'est le temps. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, etc. Matin et soir, ce sont des mots qu'on a ajoutés. Ça c'est un complément. Chaque jour c'est un complément circonstanciel du temps. Matin et soir, c'est un complément circonstance du temps. On peut les supprimer. Alors, passons maintenant au sujet. Voilà le sujet, mon père. Voilà le verbe. Il demande à qui? À nous. Qu'est-ce qu'il nous demande? Avec une grande insistance. Ça, avec une grande insistance, c'est un complément circonstancié de manière. On a ajouté ces mots-là pour donner plus de précision. Donc, je peux le supprimer. Économiser l'eau et l'électricité. Donc, voilà les mots soulignés. Ce sont des mots qu'on a ajoutés, ce sont des mots facultatifs, on peut les supprimer. On peut les supprimer. Donc la deuxième phrase, alors quels sont les mots qu'on a supprimés? Nous avons chaque jour, matin et soir, avec une grande insistance. Voilà les mots qui sont ajoutés, voilà les mots qu'on a ajoutés pour donner plus d'informations. On peut les supprimer pour garder les mots essentiels. La deuxième phrase a-t-elle changé de sens? Est-ce que la deuxième phrase qui est réduite, est-ce qu'elle a changé de sens? Non, il n'a pas changé de sens. Il a gardé le sens. Ce mot, il est réduit. Il contient moins d'informations. Il contient moins d'informations. Bon, voilà, je termine l'explication. Bien, je termine l'explication. Grand 2, je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis, pardon. Voilà, je manipule et je réfléchis. Ça veut dire manipulation et réflexion. Premièrement, j'écris la phrase enrichie et je souligne les mots qui ont été supprimés. Donc, on va dire que le jumla, le support, on va dire souligner les mots qui ont été supprimés. Chaque jour, matin et soir, mon père nous demande de, avec une grande insistance, d'économiser l'eau et l'électricité. Donc voilà la phrase expansive. Al-jumla al-ghani. D'abord, on dit trop les kalimat li yemkinna nhadfhom sans changer le sens de la phrase. Donc je vais supprimer les mots qu'on a ajoutés pour donner plus d'informations. Alors, chaque jour, matin et soir, ce sont des mots facultatifs. Avec une grande insistance, ce sont des mots facultatifs. Complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de manière. Donc, je peux le supprimer et je garde l'essentiel de la phrase. Voilà la phrase. Alors, quel est l'essentiel? Mon père ne demande d'économiser l'eau et l'électricité. Deuxièmement, je souligne les mots que je peux supprimer dans les phrases suivantes. Quand tu es dans ta douche, le matin ou le soir, ne laisse pas l'eau couler pendant que tu te douches, que tu te brosses les dents. Donc, voilà la phrase. Je répète. Quand tu es dans ta douche, le matin ou le soir, ne laisse pas l'eau couler. Là, ça te roule. Ne laisse pas l'eau couler pendant que tu te brosses les dents. Quand tu es dans ta douche, tu te brosses les dents. Pour économiser de l'eau. Donc, quels sont les mots que je peux supprimer? Quand tu es dans ta douche, donc c'est une phrase essentielle. Donc, je supprime le matin, je supprime le soir. Ne laisse pas l'eau couler. Point. Voilà la phrase essentielle. Alors, ce sont les mots que je peux supprimer. Donc, je supprime le matin, je supprime le soir, pendant que tu te brosses les dents.
avant la, devant la glace. هادو كلهم زايدة. Devant la glace ou là derrière la glace ou là à côté de la glace, ce sont des mots facultatifs. Quand tu te brosses les dents, quand tu te brosses les dents, quand tu te peignes, quand tu te laves les cheveux, ce sont des mots facultatifs. Alors l'essentiel, c'est que quand tu es dans ta douche, ne laisse pas l'eau couler. Ne laisse pas l'eau couler. Voilà la phrase réduite. Voilà la phrase essentielle. B. La semaine dernière, mon père, accompagné de mes deux frères, a acheté une four électrique dans un grand magasin. C'est une phrase qui contient plus d'informations. Quels sont les mots que je peux supprimer? Ça veut dire facultatif. La semaine dernière, le mois passé, le jour passé, le dimanche passé, ce sont des mots ajoutés pour éclaircir la phrase. Donc, mon père, donc je souligne la semaine dernière, facultatif, accompagné de mes frères, accompagné de mon frère ou bien de ma femme ou bien de... Ce sont des mots facultatifs. A acheté une four électrique. Alors, dans un grand magasin, ce sont des mots facultatifs. Donc, voilà les mots. La semaine dernière, je suis pris. Accompagné de mes deux frères, je suis pris. Dans un grand magasin, je suis pris. Quelle est la phrase réduite? Mon père a acheté une four électrique. Voilà la phrase réduite. Et voilà la phrase, le noyau qu'on ne peut pas supprimer. Troisièmement, j'ajoute les mots qui conviennent pour enrichir chaque phrase. Et là, attends, on a une jumla réduite. On va dire, enrichir. Alors, la première, j'éteins la lumière. Mais maintenant, on va dire, fait donc. J'éteins la lumière. On va dire, ta jumla ghaniya. Quand je sors de ma maison, quand je sors de ma maison, j'éteins la lumière. Voilà une phrase enrichie. Mon père a acheté de nouvelles lampes. Alors, le hier soir. Voilà les mots facultatifs. Hier soir, mon père a acheté de nouvelles lampes économiques. Donc, on a ajouté le soir et on a ajouté économique pour rendre la phrase plus enrichie. Ça veut dire très clair. Je retiens. Donc, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication. Alors, je retiens, ça veut dire un bilan que je garde dans ma mémoire. Une phrase peut être enrichie par d'autres mots qui apportent des informations supplémentaires. Regardez cette explication. Une phrase, elle peut être enrichie, ça veut dire bien éclaircie, en ajoutant d'autres mots supplémentaires, des compléments facultatifs du lieu, de temps, de manière, des sentiments, etc. Donc, pour réduire une phrase, on supprime les mots qui apportent des informations. Alors, la phrase enrichie, la phrase qui contient plus d'informations, pour la rendre réduite, on supprime les mots qui apportent des informations. Ça ne fait pas. Donc, kalimat li tiajibouna akhbar. Ça ne fait pas les mots essentiels. Je laisse, je garde les mots essentiels qui donnent un sens à la phrase. Le sujet, le verbe, complément, etc. Supplémentaire. Alors, ces informations peuvent concerner la personne. Ça veut dire qu'on donne des informations pour enrichir, pour donner plus d'informations sur la personne, ou bien sur le lieu, le maquin, les sentiments, et la manière. Avec une grande insistance, par exemple, doucement, rapidement, etc. Exemple, notre association Tous Éco tiendra sa réunion. Voilà la phrase réduite. Notre association, le sujet, qui s'appelle Tous Éco, tiendra sa réunion. Sujet, verbe, complément. Je vais l'enrichir. Alors, ce soir, complément circonstanciel de temps. Au centre du quartier, complément circonstanciel du lieu. Ce sont des mots facultatifs. Ce sont des mots ajoutés, supplémentaires. Voilà la phrase essentielle. Notre association Tous Éco tiendra fièrement sa première réunion. Voilà les mots ajoutés. Fièrement, complément circonstanciel de manière. Qu'est-ce qu'il contient? Sa première réunion. Donc voilà le bilan que je dois apprendre, que je dois garder dans ma mémoire pour connaître une phrase réduite. La différence entre une phrase réduite qui contient les mots essentiels et la phrase expansive, ça veut dire la phrase enrichie qui contient ou qui porte plus d'informations. Bonne chance, bonne réussite
et à la prochaine vidéo. Au revoir.